Je m'appelle Aziza, j'ai une éducation marocaine, musulmane. Voilà, j'ai grandi avec des parents religieux qui pratiquaient l'islam. Et à l'âge de 24 ans, j'ai vraiment réalisé dans ma vie que si je mourais, j'étais perdue, quoi. Et donc, j'ai pris la décision de faire ce que l'islam me demande, de pratiquer ma religion. J'ai lu le Coran, j'ai pratiqué vraiment à fond, quoi. Je faisais le ramadan, je faisais mes 5 prières par jour, même des fois 8, dans l'espoir que j'allais recevoir une réponse de la part de Dieu ou recevoir une certitude de mon salut, c'est-à-dire une certitude de savoir où c'est que j'allais. Cela n'a pas eu lieu. Les circonstances ont fait qu'un jour, j'étais dans un foyer de jeunes et je me suis trouvée dans une ambiance de jeunes et il y avait une femme chrétienne. Et cette personne, un jour, elle m'a parlé de l'amour de Dieu. Et surtout, elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit que Jésus, il était mort pour mes péchés, qu'il avait pris mes péchés à la croix, qu'il était ressuscité. Un jour, il viendra chercher ses bien-aimés. Et un jour, elle m'a invité à venir à l'église. Toutes les filles du foyer sont venues à l'église et j'étais parmi ces filles. Et donc, c'était pour la première fois de ma vie que j'avais entendu l'évangile. Les chants, ils étaient magnifiques. Mais ce que je ne supportais pas, c'est que qu'on disait Jésus est fils de Dieu. Je suis partie un peu en colère, en disant que j'aurais pas dû venir dans cette église. Et un soir, dans ma chambre, j'étais en train de prier en arabe. J'ai entendu une voix dans mon cœur qui me dit « Tu oublies Jésus ». Alors, ce moment-là, je me suis sentie un peu secouée parce que je ne savais pas si c'était Dieu, si c'était le diable. Je savais pas qui c'est qui me parlait. J'ai recommencé la prière de nouveau et j'entends encore la même voix qui me dit, pas d'une voix audible, mais une voix qui était sûre, qui parlait dans mon cœur, qui me dit « Tu oublies Jésus ». Je me suis dit « Demain, je vais m'acheter une cassette coranique et je vais la mettre, même pendant la nuit, je la mettrai pour pas que cette voix elle vienne me perturber dans la nuit ». Et j'ai été au magasin et je demande à une dame une sourate. Elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez comme une sourate ?» Je lui dis « N'importe ». Et puis quand j'ai pris la cassette, je suis allée à la maison, je l'ai écoutée et ça parlait encore de la naissance du Seigneur. Et là, j'étais étonnée, je me dis, mais j'ai été acheter une cassette pour justement ne plus entendre parler de Jésus, et encore, cette cassette, encore, elle me parle de Jésus. Alors, ce que j'ai fait, comme je faisais d'habitude, c'est que je prenais les cassettes que j'achetais, et je les écoutais, et en même temps, je lisais les versets qui correspondaient sur le Coran. Quelque temps est passé, Dieu a fait beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens qui me parlaient du Seigneur. Moi-même, dans la nuit, je me levais. Pourtant, je n'avais pas une grande connaissance sur Jésus. Je n'avais pas une grande connaissance sur la Bible. Et cette fille, un jour, elle m'a offert une Bible. Et moi, je voulais pas la lire. Je suis allée voir une de mes cousines. Je leur ai laissé. Donc, le temps est passé. Comme elle vivait avec moi au foyer, elle voyait comment je vivais, quoi. Alors, elle est revenue un soir et elle m'a offert une Bible. Donc, après, quelques temps après, moi, j'ai quitté le foyer. Elle aussi, elle a quitté le foyer. Et je me suis trouvée un jour dans mon travail et j'avais du temps. Je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je veux lire? J'ai commencé à lire la Bible. J'étais fort surprise de savoir que Dieu, c'était un Dieu d'ordre. J'ai commencé par la Genèse et j'ai vu que Dieu, le premier jour, avait fait une chose. Le deuxième jour, il avait fait une autre chose. Le troisième jour, il avait créé une autre chose. Et le septième jour, se reposa. Et déjà, ça m'avait réjouie parce que je me suis dit, tiens, comme Dieu, il est magnifique. Et un jour, par hasard, je tombe sur la naissance de Jésus. Et pour moi, c'était une naissance extraordinaire. C'était une histoire extraordinaire. Et un jour, j'ai crié à Dieu. J'ai parlé en arabe, j'ai prié en arabe. J'étais dans la rue, j'allais à mon travail, mais j'avais tellement envie de connaître la vérité et de savoir surtout où c'est que j'allais, si j'allais en enfer après ma mort, si j'allais au paradis. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, voilà, tu sais que je suis née dans une famille arabe, tu sais que je pratique l'islam, personne ne m'a obligée, tu sais que ce que je veux, c'est savoir où est la vérité. Maintenant, depuis que je commence à pratiquer, j'entends souvent parler de Jésus, tu vois cette voix qui me parle du Seigneur. Tout le trajet que j'ai fait, tu vois tout ce qui s'est passé, maintenant Seigneur, à toi de me guider. Est-ce que Jésus vraiment est ton fils? Est-ce que vraiment il est mort sur la croix? Parce que le Coran dit le contraire. Et si cela est vrai, tu me le montres. Tu me convaincs toi-même. Je veux pas que les hommes me touchent.
eux, parce que j'avais entendu des gens parler de la mort de Jésus, et je les croyais. J'entendais des gens dire des miracles que Jésus avait fait dans leur vie, je le croyais, et je voulais que Dieu, lui, se manifeste dans ma vie à moi. Et puis 3 jours après, Dieu a répondu à ma prière. Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin, cette personne m'a amené à l'église de nouveau. Ce soir-là, il y avait un pasteur qui prêchait, qui disait « Jésus, il est mort à la croix ». Et en mourant à la croix, il a cloué Satan et les puissances de ténèbres. Alors j'ai compris que celui qui parle de Jésus, l'esprit, la voix qui me parlait de Jésus, ne pouvait pas venir de Satan, mais pouvait venir que de Dieu. Parce que Satan, il n'aime pas Jésus, il n'aime pas les enfants de Dieu. Mais Jésus a cloué Satan en mourant à la croix. Il a cloué la mort, il a anéanti la mort. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Et à partir du moment où j'ai eu cette révélation dans mon cœur, j'ai aussi l'assurance du salut, c'est-à-dire l'assurance que si je meurs à l'instant même, eh bien, je verrai auprès de Dieu. Je suis né en France dans une famille émigrée d'Algérie, donc musulmane. En grandissant, j'ai pris peu à peu conscience de ma condition d'émigré et j'en ai souffert. J'ai voulu m'affirmer, alors, dans cette société où j'étais étranger, tout d'abord en classe et ensuite dans d'autres activités comme le sport. Et de ce fait, j'ai eu de très bons résultats. Chez moi, bien qu'étant l'aîné d'une famille de 9 enfants, je n'avais jamais eu de relation de confiance avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. Je ne m'ouvrais à personne, mais pourtant j'avais besoin d'affection, comme tout être humain. J'ai commencé mes études supérieures à Lille avec optimisme. Malheureusement, je ne me suis pas donné les moyens de mes ambitions. Je me suis retrouvé en internat, les plaisirs qu'offre la ville se sont présentés à moi et j'y ai succombé. Cela a perturbé mes études, et un certain dégoût de la vie est né en moi. Dans ce milieu d'étudiants, chacun vivait pour lui-même, et je n'avais pas de vrais amis. J'avais besoin d'aimer et personne ne m'aimait. J'espérais rencontrer une amie avec qui j'aurais pu être sincère et qui m'aurait épargné la solitude, mais je n'ai connu que des échecs qui se sont ajoutés aux échecs scolaires. Je ne voulais compter que sur moi-même pour réussir et je me moquais de toute morale. Mais petit à petit, je prenais conscience de ma vulnérabilité et aussi de ma médiocrité. Je ressentais combien la réussite et le bonheur étaient des choses éphémères, comme les fausses joies qu'apporte le péché. Dans cette situation, j'ai commencé à penser à Dieu. Je voyais l'exemple de mon frère, de mon père, et je me disais que la foi pouvait peut-être m'aider à devenir meilleur. J'avais même décidé de demander à mon père de m'apprendre à prier et de faire de moi un musulman. J'ai parcouru le Coran, mais cette lecture ne m'a pas vraiment apporté l'espoir que je cherchais en Dieu. Et quelque temps plus tard, j'ai rencontré des chrétiens, alors que j'étais en vacances au bord de la mer du Nord. Comme je m'ennuyais beaucoup, je suis allé les voir, malgré une certaine appréhension due au fait qu'ils étaient chrétiens. J'ai écouté les chants, les témoignages, et j'ai été bouleversé de voir leur joie de vivre, leur certitude de l'amour de Dieu. Ce qui m'a aussi touché, c'est la sympathie qu'on m'a témoignée. Et la sincérité de ces chrétiens m'a donné envie d'en savoir plus sur celui qu'ils ne cessaient d'invoquer, Jésus-Christ. Autrefois, quand on me parlait de chrétiens, je voyais des gens religieux, des églises remplies le dimanche, surtout par des personnes âgées, et vides le reste du temps. Mais ces chrétiens vivaient ce que demande l'Évangile, et apparemment ce n'était pas pénible pour eux, grâce à Jésus-Christ, qui en est la base. Jamais vraiment je n'avais vu des croyants aussi heureux. Je suis resté avec ce groupe pendant 1 semaine, et la veille de leur départ, j'ai assisté à la projection d'un film qui montre comment Dieu, à travers Jésus-Christ, a transformé la vie d'une jeune handicapée tétraplégique. Et j'ai vu une manifestation de l'amour de Dieu dans la vie de cette jeune fille, et à la lumière de Dieu, j'ai revu tout mon passé. Et ce soir-là, je me suis vraiment tourné vers Dieu. Depuis ce moment, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Il change mon cœur petit à petit, et bien plus, il est intervenu dans les difficultés que j'ai connues à cause de ma foi, avec ma famille, qui est musulmane. Mon père m'avait dit de quitter la maison. Et je l'avais fait parce que j'étais devenu chrétien, malgré toute la peine que je ressentais. Je ne savais pas qui allait prendre soin de mes frères et sœurs si moi, l'aîné, je laissais mon vieux père et ma mère tout seul. Je ne pouvais donc que prier, les remettre à Dieu et demander aux autres de s'associer à moi dans cette prière.
et des chrétiens m'ont accueilli chez eux pendant un mois. Et l'impact de ce témoignage, de cette preuve de leur amour, a vraiment étonné mon père et touché son cœur. J'ai décidé de me faire baptiser par immersion pour faire un pas décisif dans ma marche avec Jésus-Christ. Et la même semaine, mon père est venu me voir pour me dire que je pouvais rentrer chez moi et que désormais il respecterait ma foi et qu'il voulait parler de Jésus avec moi. J'ai été stupéfait de ce changement dans ses paroles. Lui qui avait proféré contre moi des menaces, lui qui s'était emporté comme jamais je ne l'avais vu, il est venu s'excuser. Seul Dieu a pu opérer un tel changement dans son cœur en réponse à nos prières. Et la souffrance dans le cœur de mon père a été plus grande que l'orgueil. N'est-ce pas merveilleux de voir Dieu répondre ainsi? Si toi qui m'écoutes, tu es musulman, lis l'Évangile, car tu as le droit de savoir ce que Dieu a fait pour toi, à travers Jésus-Christ. Tu sais toi-même ce qui te fait souffrir dans ta vie. Lis l'Évangile et tu comprendras comment Jésus-Christ peut te délivrer. Et voici une promesse de Jésus pour toi. Elle se trouve aussi dans l'Évangile. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que Dieu te bénisse et te montre vraiment qui est Jésus. Sarah est une chrétienne d'origine musulmane. Comme beaucoup d'autres en Algérie, après sa conversion au christianisme, elle a dû faire face à la persécution. Sa voix a été modifiée pour des raisons de sécurité. On l'écoute. Sentir que ta maman te rejette, c'est terrible. Voir ton père qui prend un couteau derrière toi pour te frapper avec, c'est terrible. Tes sœurs tu deviens l'ennemi de tes sœurs, l'ennemi de tes frères, l'ennemi de ta maman, c'est vraiment terrible. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, t'es chrétienne. Et donc voilà, t'as commis un crime. En fin de compte, avant je comprenais pas. Mais pour eux, ils étaient en train de me perdre. Ils pensaient que devenir chrétien, c'est devenir européenne en fin de compte. Mais c'est faux. Et puis aussi, là, c'est vrai que la charia, le Coran, il dit que croire que Jésus-Christ est le fils de Dieu, c'est blasphémer, c'est aller contre Dieu et tout. Et il y a la culture aussi, il y a aussi ce que la société va dire. Le fait de savoir que votre fille s'est convertie, qu'est-ce que les autres vont dire? Il y avait la culture, la religion et la société. Tout ça en fin de compte. On m'interdisait même de dire à mes amis que j'étais convertie. Mais moi, je pouvais pas cacher ça parce que c'était une telle joie de le dire. Et ça me donnait aussi une force, une telle force au fond de moi intérieur. Et chaque jour, je me disais, non, Seigneur, je vais aller à l'église. J'assume. Jusqu'à maintenant, je le dis, je le redirai toute ma vie. C'est le seul véritable choix que j'ai fait. Comme Sarah, les chrétiens kabyles font souvent preuve d'une foi impressionnante. Et d'ailleurs, par sa persévérance, les proches de Sarah ont fini par accepter sa conversion.